Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième petit cours à distance de mon école Mabaleine. Aujourd'hui c'est vendredi et donc on va découvrir un cétacé mystère et pour vous on a choisi l'orque. Avant de commencer, je vous rappelle les deux petits exercices que l'on vous avait conseillé de réaliser. Vous pouvez toujours les trouver sur notre site internet dans la rubrique Activités à imprimer. Ces deux exercices pour vous faire découvrir un peu les autres cétacés que l'on peut voir dans les Antilles françaises. Alors c'est parti. On commence. L'orque, bah, je pense que tout le monde a déjà vu soit une photo, soit un film à la télé. On le reconnaît facilement, c'est ce grand dauphin noir et blanc. Pour commencer, on dit une orque. Et oui, même si c'est un mâle, c'est féminin. On le dit aussi que c'est le plus grand des dauphins. Pourquoi? Parce que le mâle peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long, pardon, la femelle peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long, alors que le mâle peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Alors 10 mètres, vous vous mettez le long d'un mur et vous faites 10 grands pas. Et ça, c'est la taille d'un grand mâle adulte. Les orques peuvent vivre assez longtemps quand même, presque comme les humains. Les mâles vont vivre jusqu'à une soixantaine d'années, alors que les femelles peuvent atteindre 90 ans. Les orques font bien sûr partie de la famille des cétacés, et c'est un cétacé à dents, donc un odontocète, comme le dauphin, et comme le cachalot. Là, vous voyez bien les dents de l'orque. Comme c'est un odontocète, il n'a qu'un seul évent. L'évent, vous vous rappelez, c'est la narine qui se trouve donc chez les dauphins sur le dessus de la tête, bien centrée au milieu. On le voit sur la photo d'en bas, on voit le trou sur le dessus de la tête. Alors, on va découvrir un petit peu son anatomie. Donc déjà, c'est quand même un cétacé qui est très reconnaissable. Il est noir sur le dessus, blanc en dessous. Il a quelques taches. Il a donc bien sûr des yeux que l'on voit pas bien parce qu'ils sont dans la partie noire de sa coloration, mais il a quand même deux yeux avec lesquels il voit très bien sous l'eau, mais aussi à la surface. Un unique évent, on l'a vu tout à l'heure, qui lui sert à respirer. Une nageoire dorsale aussi qui est très caractéristique, elle est très grande chez les mâles. La nageoire peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Donc là, pareil, vous pouvez faire deux grands pas. Et ça, c'est juste la taille de la nageoire dorsale du mâle orque. Ça va lui servir à s'équilibrer. Sa nageoire caudale, qui va lui servir à avancer, elle est très puissante. Une orque, ça peut nager jusqu'à 50 km heure. Et sa nageoire caudale, donc ça va lui servir à se propulser. Mais elle va aussi s'en servir, par exemple, quand elle chasse, elle peut assommer ses proies avec. Comme pour tous les cétacés, les orques ont deux nageoires pectorales sur les côtés qui leur servent à s'équilibrer. Chez les orques, elles sont rondes et d'ailleurs, elles sont beaucoup plus grandes chez le mâle que chez la femelle. Et ce qui le caractérise, donc, c'est ses taches. Deux taches de chaque côté de la tête, près des yeux, des taches qui sont blanches, et une tache qui est juste derrière la nageoire dorsale, qu'on appelle la selle, qui va être blanche, grisâtre, et qui va être différente en fonction des régions du monde, en fonction des groupes, mais aussi en fonction des individus. On peut se servir d'une photo donc du dos d'une orque pour l'identifier. Soit grâce à son aileron, qui peut avoir des marques dessus, soit grâce justement à cette selle, cette tache grisâtre qu'elle a sur le dos, qui va servir donc aussi à identifier chaque individu. C'est un mammifère, rappelez-vous, donc l'orque a des poumons, elle doit remonter à la surface pour respirer. Sur ces deux photos, on voit le souffle de l'orque, je vous rappelle que c'est de l'air. Ce souffle, on peut le voir de loin, mais il faut qu'il y ait quand même très peu de vent pour le voir, parce que sinon, il est très vite aplati par le vent.
Les orques peuvent rester en apnée pendant presque 17 minutes et elles peuvent descendre jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc c'est quand même pas mal. La nourriture, alors là, le régime alimentaire des orques, il est très diversifié au niveau de la population mondiale. Mais il peut être très précis en fonction des groupes. Par exemple, certains groupes ne vont s'alimenter que de poissons, par exemple de saumon même, ils vont aller jusqu'à manger que du saumon. D'autres vont manger que des mammifères marins, ou d'autres encore vont manger un peu de tout, des poissons, des tortues, des mammifères marins, mais aussi des requins, des raies, etc. Dans tous les cas, une orque adulte doit manger entre 60 et 80 kilos de nourriture par jour. Pour s'alimenter, pour chasser, elle va utiliser le système d'écholocation. Rappelez-vous, ce sont des ondes qui partent du front des cétacés qui ont des dents et qui vont leur permettre de chasser en eau trouble ou dans le noir. Les orques sont aussi connues parce qu'elles ont des techniques de chasse très particulières et très spécifiques en fonction des groupes. Certaines, par exemple, vont tourner autour d'un banc de poissons, rassembler le banc de poissons en groupe compact et donner des grands coups de queue dans l'eau. Ça va faire comme une onde qui va assommer les poissons et elles n'auront plus qu'à attraper les poissons pour se nourrir. D'autres, vous avez peut-être vu des images à la télé, vont s'échouer avec les vagues sur les plages pour essayer d'attraper les jeunes phoques ou les jeunes otaries et se nourrir comme ça. D'autres vont aussi décider d'harceler de grandes baleines et vont finir par la fatiguer et vont s'alimenter de cette façon. Chaque technique de chasse est différente et chaque groupe a des techniques de chasse différentes. Au niveau de leur comportement, c'est un cétacé que l'on retrouve dans tous les océans du monde, même si il y en a quand même beaucoup plus dans les eaux polaires, froides et tempérées, et ben on peut quand même en observer dans les eaux chaudes tropicales. D'ailleurs, depuis quelques années, l'OMAG, l'Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen, reçoit de plus en plus d'observations des pêcheurs guadeloupéens ou martiniquais qui croisent des orques au large des Antilles. L'orque, comme tous les delphinidés, vit en famille de plus ou moins grande et chaque famille, comme on l'a vu tout à l'heure, va avoir des comportements différents, que ce soit pour la chasse, pour la gestion du groupe, etc. Les groupes, ça va être de 2 à 50 individus à peu près. Chaque groupe est dirigé par une femelle, c'est souvent la plus âgée, on l'appelle la matriarche, et c'est elle qui va diriger le groupe. Au sein du groupe, les orques vont utiliser des sons pour communiquer entre eux. Chaque famille a son propre langage et chaque individu a sa propre façon de communiquer. C'est comme ça qu'ils se différencient entre eux. Donc là, je vous propose d'écouter le son que font les orques. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup de sons très différents au sein de cet enregistrement. Ils sont tous émis par une orque. Alors, la reproduction. Elle a lieu donc avec des groupes différents, c'est-à-dire que les mâles vont s'éloigner de leur groupe de naissance pour aller rencontrer des femelles dans d'autres groupes. Ils vont se reproduire à partir de 10-15 ans pour les femelles et les mâles, eux, devront attendre 21 ans, voire des fois 30 ans pour se reproduire. Donc c'est très long. Et d'ailleurs, comme les orques sont très étudiés, on s'est même aperçu que les femelles
arrêter de se reproduire à partir de 40-45 ans. Elles auraient une sorte de ménopause, comme chez les humains. Une fois qu'il y a eu reproduction, le temps de gestation, c'est le temps que le petit reste dans le ventre de sa mère, il est de 15 à 18 mois. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est presque le double des humains. Vous vous rappelez, nous, c'est 9 mois. À la naissance, le petit va naître la queue en premier, comme pour tous les cétacés. Il va mesurer 2 mètres, 2 mètres 50 et peser entre 160 et 220 kilos. Il va remonter à la surface, prendre sa première respiration, s'habituer à ses nageoires et ensuite il va aller boire le lait de sa maman. Il va être allaité pendant un an minimum. Au bout d'un an, il va commencer à diversifier son alimentation, à manger donc la même chose que son groupe de naissance. Et il arrêtera complètement de boire du lait à partir de 2 ans. On passe aux menaces qui pèsent sur les orques. C'est quand même pratiquement les mêmes que pour les autres cétacés. Donc les orques à l'échelle mondiale ne sont pas en danger. Mais il y a beaucoup de populations d'orques, dans des régions spécifiques, qui, elles, sont en déclin à cause des activités humaines notamment. Par exemple, la surpêche. Rappelez-vous, les orques qui ne s'alimentent que de poissons, ben forcément, elles vont rentrer en compétition avec les bateaux de pêcheurs qui, eux, vont rafler tous les poissons dans l'océan. Donc, il y a beaucoup de populations qui diminuent parce qu'elles ne trouvent plus assez de poissons pour s'alimenter. Comme l'orque est tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est ce que l'on appelle un super prédateur, et ben malheureusement, elles vont accumuler beaucoup de toxines dans leur corps. Parce que les aliments qu'elles vont manger, les poissons, les tortues, les mammifères marins, etc., vont avoir des toxines en eux. Et donc ça va s'accumuler, s'accumuler dans son corps et ça peut la rendre malade. Le problème, c'est que ça va aussi s'accumuler dans les parties grasses. Et par exemple, le lait des mamans est très gras. Et donc ben, elles vont donner du lait qui est contaminé à leurs petits. Donc c'est aussi une cause de mortalité chez les petits, par exemple, du lait contaminé. Ensuite, ben, il y a la pollution plastique, on en a beaucoup parlé. Tous les déchets qui se retrouvent dans la mer, et ben, malheureusement, ils peuvent être ingérés par les animaux marins. Et donc, ben, voilà, quelqu'un qui mange du plastique, ça ne se passe pas bien. Ça va rester coincé dans leur estomac et ils vont finir par mourir. Les piles, les batteries, dedans, il y a des métaux lourds, du plomb, du mercure. Et ça, ben, si ça se retrouve dans la mer, et ben, ça fait partie des toxines qui peuvent se retrouver dans le corps des cétacés et qui vont donc les rendre malades et jusqu'à les tuer. Les filets, les cordages qui sont abandonnés, ben, tout ça, ce sont des déchets qui sont dangereux pour tous les cétacés, mais aussi pour les poissons, bien sûr, pour n'importe quel animal marin qui risque de se faire capturer et du coup qui ne pourra pas soit s'alimenter, soit remonter à la surface pour respirer, etc. Dans certains pays, les orques, elles sont encore capturées pour être mangées ou alors même pour être vendues dans des delphinariums. Les delphinariums, c'est des grandes piscines dans lesquelles on met les dauphins et pour qu'elles fassent le spectacle. Ça ressemble un peu à des aquariums, mais pour les cétacés. Et bah, dans ces piscines, les orques sont très malheureuses. Elles n'ont pas assez de place pour nager et elles finissent par devenir folles. On fait subir tout ça aux orques alors que dans la nature, il n'y a aucun signalement d'attaque d'orques qui a été fait. Vous avez peut-être entendu l'année dernière qu'en Espagne, certaines orques sont venues se frotter à des bateaux et qu'elles ont eu un comportement assez bizarre qui a un peu effrayé les gens. Mais il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ces vidéos, qui ont étudié ce comportement et qui pensent qu'en fait, elles sont juste venues jouer avec les bateaux. Elles se sont rendues compte qu'en donnant un coup dans le safran du bateau, ben, ça faisait changer le bateau de direction et on pense que c'est un jeu en fait pour elles. Donc c'est pour ça qu'il faut oublier et arrêter d'avoir peur des orques. Ce ne sont pas des animaux qui sont dangereux. Les seules attaques qu'il y a eues, malheureusement, elles ont eu lieu justement en delphinarium, là où les orques bah, se sont sentis mal et ont attaqué des dresseurs, par exemple. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, il existe un film qui s'appelle Blackfish et qui parle justement de la captivité des orques. Donc vous pouvez aller chercher ce film. Vous pouvez le trouver facilement normalement.
On a fini sur les orques, j'espère que ça vous a plu. On passe à la correction des exercices. Donc, vous pouvez faire pause et vérifier si vous avez eu juste à ces exercices, ou alors vous pouvez aller chercher les corrections sur notre site internet, toujours dans la rubrique Activités à imprimer. Pour la semaine prochaine, on vous propose de regarder, de réaliser, pardon, deux nouveaux exercices. Alors, un exercice pour découvrir le monde marin de la Caraïbe. Vous allez voir, c'est un peu différent. On ne parlera pas des cétacés dans cet exercice. Et un autre, bah, justement, sur les dangers que peuvent rencontrer les cétacés et les autres animaux marins. Donc, si vous voulez en savoir plus, détailler plus ce qu'on vient de voir, vous pouvez télécharger aussi cet exercice, toujours sur notre site internet, dans la rubrique Activités à imprimer. Comme c'est la fin de la semaine, comme la semaine dernière, on vous propose de réaliser un petit quiz qui est noté sur 10. Donc pour chaque question, vous avez le nombre de points, soit un point, soit deux points. Je vous pose la question et je vous donne la réponse tout de suite après. Donc je vous propose de prendre une feuille et un crayon, comme ça vous pourrez répondre en même temps. Vous pouvez aussi faire pause à chaque fois que j'ai posé une question, comme ça vous avez le temps de répondre et vous avez la réponse juste après et donc vous pouvez voir tout de suite combien de points vous avez gagné. C'est parti. Première question. Combien d'évents a le dauphin? C'est une question sur un point. Est-ce qu'il en a un ou est-ce qu'il en a deux? Vous pouvez faire pause pour répondre à cette question. La réponse à cette question était les dauphins ont un seul évent. Je vous rappelle, l'évent, c'est la narine qui leur sert à respirer. Question numéro 2. Attention, celle-ci est sur deux points. Je ne vous donne pas de proposition. Comment s'appelle le bébé de la baleine à bosse? Ça, on l'a vu lundi. Normalement, si vous avez assisté au cours, vous devez le savoir. La bonne réponse, c'était le baleineau. Troisième question. Que vient faire la baleine à bosse dans les Antilles? Toujours une question sur deux points. La bonne réponse, c'est elle vient s'accoupler ou accoucher de son baleineau. Quatrième question sur un point. Trouve l'intrus. Baleine à bosse, grand dauphin, cachalot, orque. Lequel de ces animaux n'a pas la place dans cette, n'a pas sa place dans cette liste, à votre avis? C'est la baleine à bosse, parce que c'est un mysticète, elle a des fanons. Question sur deux points. Que mange la baleine à bosse? La réponse, c'était du krill, rappelez-vous, ce sont des petites crevettes, et des petits poissons. Sixième question sur un point. Peut-on voir des orques en Guadeloupe? Ah, oui ou non? La réponse, on l'a vu tout à l'heure, c'est oui. Il y a des orques qui sont observées en Guadeloupe de temps en temps. Question 7 sur un point. Comment s'appelle le front du dauphin? Le ballon, la pastèque ou le melon? La bonne réponse, c'est le melon. On a fini ce petit quiz, donc vous pouvez faire le calcul de vos points et nous dire combien vous avez eu. Comme la semaine dernière, on vous propose une question bonus. La semaine dernière, après tirage au sort, c'est la petite Maya qui a gagné et qui a gagné un joli t-shirt de l'association. Donc elle pourra venir le chercher au bureau de l'association. La question bonus de cette semaine, n'hésitez pas à nous répondre donc par mail. Vous avez l'adresse mail sur cette diapo. La question est expliquer comment les dauphins dorment. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette question, nous envoyer un petit mail et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour désigner un gagnant. Nous sommes donc toujours une association. Si vous voulez nous aider, participer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez déjà accès à plein d'outils sur notre site internet ou dans notre boutique en ligne. Donc, je vous remets toutes les adresses mail, les contacts, les sites internet, etc.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à lundi prochain pour le troisième cours sur la baleine à bosse. Bonne journée!